C'est le tour du film documentaire du réalisateur burundais Joseph Bitamba dans le programme de la Maison Shalom d'animer les soirées culturelles. Son film s'intitule Ishaka, la volonté de vivre. Il tournait autour de la réconciliation du peuple rwandais après le génocide contre les Tutsis de 1994. C'est un pari gagné grâce au génie des autorités rwandaises et du peuple rwandais. Je pense que le film reflète un gros pourcentage la réconciliation au Rwanda. Mais il n'y a pas que le film pour l'attester. Il suffit de se promener dans tout le Rwanda pour se rendre compte que ce peuple a quand même fait un effort de revivre ensemble après les tragiques événements, le génocide de 1994. Vous évoquez la politique et la volonté politique pour la réconciliation. Ce n'est pas venu du bas, c'est venu d'en haut, et ce qui est toujours une bonne chose parce qu'on sait que 80% de la population n'a pas été à l'école, donc c'est des exécutants. C'est comme pareil pour le génocide, il y a les penseurs puis il y a les exécutants et on ne les juge pas de la même façon. Et je pense qu'ici, les autorités actuelles ont mis en place une politique de réconciliation, mais ont mis les mécanismes pour se réconcilier aussi. Ils n'ont pas fait de décret en disant « vous vous aimez du jour au lendemain », non. Il y a eu une justice qui a fonctionné, il y a eu un processus de demande de pardon, il y a eu, j'en passe, les gachacha qui ont renforcé cette idée de revivre ensemble et de se réconcilier. Même si tout n'a pas toujours été facile, on sait qu'il y a eu des cas où il y a eu des vengeances, il y a eu des prisonniers qui sont sortis, qui ont encore tué des gens, mais c'était des cas isolés. Mais dans l'ensemble, dans les villages, par exemple, de réconciliation, les gens vivent pacifiquement ensemble, sans même la police. Il y a pas de police qui les surveille. Donc pour moi c'est une réussite, mais ça a demandé le génie du peuple rwandais. Ce film documentaire a été choisi dans cette série de films que la Maison Shalom projette pour servir d'exemple de réconciliation. Il sera projeté dans les camps de réfugiés burundais dans le but de raviver les espoirs, de revivre ensemble et oublier les conflits du passé. L'idée de ce projet, c'est en fait un projet pilote pour deux côtés, deux raisons. La première, c'est que tous les réfugiés burundais à Kigali aient accès à voir des films que non seulement leur donnent du courage et que aussi ça leur permette de débattre sur certaines valeurs que je crois que c'est nécessaire que tout le monde puisse pouvoir en discuter, mais en fait c'était un projet pilote pour voir quelle était la réaction pour essayer de implémenter cela dans les camps de réfugiés et surtout dans le camp de réfugiés de Mahama, puisque on voit que nos frères et sœurs qui sont à Mahama ont vraiment besoin et nous demandent voir des films cela qui leur donne de l'espoir des fois et qui leur donne aussi du courage pour voir qu'il y a un futur. Aujourd'hui, on a décidé de faire la réconciliation. C'est pour ça qu'on a choisi le film de Joseph Bitamba. Et parce que aussi, on voit que le thème de la réconciliation, c'est peut-être un thème que les Burundais voudraient commencer à réfléchir ou qu'eux-mêmes, ils ont déjà commencé à réfléchir. Et donc, c'était une opportunité pour continuer à débattre et aller plus en profondeur sur ce thème-là. Dans un premier temps, son projet pilote concerne les réfugiés de Kigali et dans un second temps, il va être implanté dans le cadre de Mahama d'ici quelques semaines.
La maison Shalom, c'est en un 99% sûr qu'il va réussir à le faire. Maintenant, je crois qu'en fait, on est devant quelques petits problèmes ou simplement il faut des petits challenges logistiques et administratifs que je suis sûr qu'on va pouvoir mettre en place et supérer facilement. Et je suppose qu'on va essayer de le faire, cette projection même sur ce fait même là, dans 2-3 semaines maximum. L'auteur de ce documentaire et en même temps Burundais compte beaucoup sur l'impact positif de ce film à l'endroit des Burundais réfugiés, victimes de la haine de leurs compatriotes, comme cela a été le cas au Rwanda jusqu'au drame du génocide. Je pense que le film peut aider les réfugiés à comprendre d'abord leur situation. N'oublions pas que le FPR, c'était des réfugiés aussi. Mais ça démontre aussi que tous les peuples peuvent vivre ensemble. Donc, si ça peut aider à ce que les Burundais réfugiés pensent plus à rentrer en se réconciliant et non pas aller se venger sur ce qui est arrivé à l'un ou l'autre, le film aura fait une excellente chose. Quoi. Ce projet d'animation culturelle à travers le film vise également à développer la réflexion des jeunes générations pour la diversité culturelle.